Salut à tous, c'est le leader Mireille. Alors, dans cette petite vidéo, nous allons voir comment approvisionner son portefeuille Clever en monnaie Tron, en crypto-monnaie Tron, d'accord? Donc, je vais me connecter au portefeuille Clever en entrant les six chiffres pour me connecter, mon code à six chiffres. Voilà. Ok, donc une fois sur le dashboard, je vois toutes les crypto-monnaies qui sont contenues dans ce portefeuille. On a le Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, etc., Ethereum et Tron, Tron TRX, la monnaie avec le logo rouge. C'est ce que je veux avoir, mais on va le faire en deux étapes. Premièrement, je vais d'abord charger mon compte Clever en Bitcoin et après je vais swapper, c'est-à-dire échanger les Bitcoins en Tron. Donc, pour recharger mon compte Clever en Bitcoin, j'ouvre le portefeuille Bitcoin. Donc, j'appuie sur le BTC, le logo orange. OK. Et j'ai plusieurs options, hein, envoyer, recevoir, scan, charge. Je choisis recevoir parce que je veux approvisionner, je veux recevoir des Bitcoins sur ce compte. Donc, j'appuie sur recevoir. Et j'ai le choix entre scanner le code QR ou récupérer l'adresse. Pour avoir l'adresse, je vais copier en appuyant sur le petit bouton en dessous à gauche, les deux petits carrés. Voilà, ça a été copié, c'est marqué copier. Et avant même de partir, regardez tout en haut, BTC Main Account, juste en dessous, il y a déjà le début et la fin de mon adresse. Ça me donne une idée de mon adresse. Ça commence par BC, ça finit par 4M. Donc maintenant, je vais aller me connecter dans ma blockchain, là où j'ai des bitcoins que je veux transférer à ce compte. Donc je vais, voilà, sur ma blockchain. J'y vais à partir de Chrome, vous pouvez y aller à partir de l'application, hein. C'est pas un souci. Et je vais coller cette adresse et mettre le montant que je veux envoyer tout simplement. Voilà, donc je fais login pour me connecter à mon portefeuille blockchain. Ça peut arriver qu'on vous mette un message pour vous dire d'aller confier, autoriser la connexion par mail. Vous allez recevoir un email pour confirmer avant de vous connecter. Alors, donc je vais maintenant aller dans le menu Transact. L'interface est un peu différente par rapport à un portefeuille en application. Donc, je vais dans Transact. J'appuie sur Send qui veut dire envoyer. Et donc, envoyer de mon portefeuille Bitcoin à tout qui veut dire à l'adresse, à quelle adresse. Je vais coller l'adresse que j'ai copiée. Donc, j'appuie sur l'écran et je colle. Ensuite, combien le montant en dessous en dollars, la case des dollars, je tape le montant que je veux. Envoyer, donc je vais taper. Je vais taper 150 dollars. Et ensuite, je peux écrire une petite description si je veux, hein, ou pas. Et Oui. puis, j'appuie continuer. OK? Okay. Donc, je fais maintenant 5 bitcoins. Et j'attends tout simplement. Voilà, ça charge, les bitcoins sont partis. Donc, il suffit maintenant d'attendre quelques minutes que je reçoive les bitcoins sur mon Clever. Ça fait quelques minutes que j'ai lancé la transaction, donc elle n'est pas immédiate. La preuve, vous voyez, je suis connectée à mon portefeuille Clever. Sur le dashboard, ça me marque 0, 0, balance 0 dollars. Au niveau du Bitcoin, mais quand j'entre dans le portefeuille Bitcoin pour voir plus en détail, je vois qu'il y a bien une balance en Bitcoin, en valeur, en dollars de ce que j'ai envoyé, mais qui n'est pas encore confirmée. Vous voyez, non confirmée. Donc, ça va prendre quelques minutes, le temps que la transaction soit confirmée et que ma balance montre réellement les 149 dollars disponibles. Donc, on va patienter. Alors, nous allons maintenant terminer cette transaction. On va d'abord constater si les bitcoins ont été finalement déposés, confirmés. Donc, on va dans le portefeuille BTC. OK.
Et on constate que en dessous du bouton recevoir, en bas, c'est marqué confirmé. Donc, finalement, les bitcoins sont bien disponibles. On peut maintenant les échanger en tronc, donc les swapper. Et pour cela, il va falloir utiliser le bouton. Vous regardez les cinq boutons qui sont tout en bas de l'écran, là, le quatrième bouton, le bouton du swap, c'est-à-dire les flèches, qui tournent en cercle. Il faut appuyer dessus. Alors, on va sélectionner, j'ai déjà fait, mais à votre niveau, vous devez d'abord sélectionner le monde, le portefeuille duquel vous envoyez l'argent. En l'occurrence, ici, c'est le portefeuille Bitcoin, B orange. Donc, j'appuie là-bas, je choisis BTC. OK. Ensuite, le portefeuille qui reçoit les fonds. En l'occurrence, le portefeuille Tron. J'appuie là-bas, je sélectionne, je descends, je trouve TRX Tron, d'accord? OK. Et maintenant, le montant. Je dispose actuellement de 0,00442424 BTC. Je ne peux pas tous les envoyer parce qu'il faut prévoir des frais de transaction. Donc, je vais taper 0,00 42 par exemple. Si vous essayez 43 et que ça passe pas, vous essayez 42, ça passe pas. On va faire un essai. Je vais essayer 43, d'accord? Et on va aller à la page suivante. On va faire suivant, suivant. Et regardez ce qu'on me dit en bas. En bas, tout en bas, il y a un petit message en rouge en anglais. Et il y a même un pop-up qui apparaît pour me dire que je n'ai pas assez pour pouvoir gérer les frais. Donc, il faut que je diminue le montant. Donc, je retourne en arrière. En haut, la flèche qui est en haut à droite, j'appuie dessus pour retourner en arrière. Je vais taper 0,0042. OK? Suivant. Je descends et le message qui me dit que je n'ai pas assez de fonds a disparu. Donc, ça veut dire que le montant est bon. En plus, je choisis la priorité. Il y a deux boutons, régular, priorité. Je prends priorité parce que je veux que ma transaction aille très vite. Dernière étape, vous voyez les trois boutons qui sont en dessous du montant. Le premier bouton, il faut appuyer dessus, OK? Et ensuite, il faut choisir, appuyer sur TRX Main Account, qui veut dire le compte principal TRX. Voilà. Voilà. Maintenant que c'est sélectionné, je descends vers le bas. Et le bouton convertir maintenant s'affiche bien, bel et bien. Je peux appuyer dessus. Donc, j'appuie dessus, convertir maintenant. J'entre mon code PIN pour finaliser. Voilà. Et puis, je patiente, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et voilà, votre commande a été passée. Le swap se poursuivra lorsque la transaction se confirmera. J'appuie sur je l'ai pour dire que c'est bon. Voilà. C'est tout simple, c'est terminé. Donc, je vais attendre, pardon, patiemment. Que mes troncs soient déposés dans mon portefeuille. Je repars dans le portefeuille, donc j'appuie sur le bouton qui est en bas là, au milieu. Voilà. Et puis, plus tard, je viendrai me connecter pour constater que mes troncs sont déposés. Donc, pour cela, je vais devoir appuyer sur TRX, le logo de Tron. OK. Pour l'instant, j'ai 0 dollars, mais quand mes dollars seront déposés, ben, je verrai que l'argent est bel et bien déposé et j'aurai plus de 100 dollars. Je pourrais maintenant faire ma transaction tranquillement. Donc, c'était tout. Je suis le leader Mireille. Si vous avez envie de découvrir encore plus de vidéos, plus de tutoriels, plus d'opportunités, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification aussi. Et puis, laissez un joli commentaire, likez la vidéo et puis on se revoit très très bientôt pour un nouveau tutoriel.